Donc, plus la transformation inverse de 3 sur plus puissance en plus 3 exponentiellement t, plus 23 sur 8 transformation inverse de 1 sur plus puissance 2 en plus exponentiellement 2t, plus 11 sur 4 transformation inverse de 1 sur plus puissance 2 au carré, ça fait 1 sur 1 factoriel égale 1, t exponentiel moins 2t. Plus 9 sur 2, donc 1 sur 2 factoriel égale 2, ça fait, et 2 fois 2, ça fait 4. T au carré exponentiel moins 2t. Donc toujours un petit rappel avec ma transformation inverse de 1 sur pi plus a, telle que la est une constante, c'est exponentiel moins at. Ou la transformation inverse de la place de 1 sur pi plus a à la puissance 1 plus 1, on aura 1 sur 1 factoriel exponentiel moins, ou bien t, la puissance 1 exponentiel moins at. Voilà. Donc, on reprend la cinquième fonction de la calculée. Donc, f5 de p égale 2 pi au carré plus 1, que divise, pi fois pi plus 1 tout au carré fois pi plus 2 au carré. D'accord. Donc, maintenant, le degré est un numérateur, ça fait 2. Il y a un passif, ça fait 1000. Donc, après le numérateur, je te mets un égal à 5. Donc, les pôles du système, donc ça fait le dénominateur égal à 0. On a quand même 0. Donc, pi fois pi plus 1 au carré fois pi plus 2 au carré égale 0. Donc, ça donne. Donc, pi égale à 0, pi égale à moins 1, et pi égale à moins 2. Donc, le premier, c'est un pôle simple. Donc, ces deux-là, c'est des pôles multiples. Donc, le wifi est double. Donc, moins 1 double, moins 2 double. Donc, on va décomposer ça en éléments simples. Voilà, on va donner inversé, donc un F5 de P égale, donc un des 1 sur pôle simple, ça fait 1 sur P, plus, donc un des 2 pôles simples, 2 pôles, un pôle double des voies 1, moins 1, ça fait A11 sur P plus 1, plus A12 sur P plus, on va être un des moins 2 comme pôle double aussi, donc on change un petit peu la notation, il est B11, alors P plus 2 plus B12, alors P plus 2, le tout au carré. Mm-hmm.
grande histoire A1, donc A1 égale le dénominateur de ça fait P, ou F5 de P, pour P égale 0. Donc ça, ça donne donc 2P au carré plus 1. Donc elle va venir avec P, le P se s'applique avec P, qui me reste. P plus 1, le tout au carré, fois P plus 2, le tout au carré, pour P égale 0. Donc ça donne 1 que divise. Donc 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, ça fait 1 sur 4. Pour les autres ports donc multiples, vous avez les coefficients A11 et A12, donc on applique A1 2 moins I égale 1 sur I factoriel, la dérivée de la dérivée par rapport à P. 2 donc pi plus 1, donc on a oublié le carré, hein? Donc pi plus 1 au carré fois F5 de P pour P égale moins 1. Donc I prend les valeurs 0 et 1, donc un x 2 moins 1 ça fait 1, donc je suis 1. Donc pour I égale à 0, donc A11 égale à quoi? Égale, donc 1 sur 0 factoriel ça fait 0, la dérivée de 0 ça fonctionne même, d'accord? Donc, tous les 2 pi au carré plus 1, que divise pi fois pi plus 2 de tout au carré, pour pi égale à moins 1. Donc, on a réuni. On va passer pi égale à moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1 fois 2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Que divise. Donc, on dit 2 moins 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ça fait moins 3. Donc, pour i égale à 1, donc on a écouté 1. Égale à 0, on écrit A, 12. Donc, on a 2 moins 0, ça fait 2. Donc, on a pour égale à 1, ça fait A, 11. Parce qu'on a 11, on a eu, les 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 1 factoré, ça fait 1, la dérivée donc de 1. Car 2π au carré plus 1, que divise π fois π plus 2, le tout au carré. Tout ça, après dérivation, on passe pi moins égale à moins 1. D'accord? Donc, maintenant, on a dérivé une seule fois, donc je ne me casse pas la tête à décomposer ça, mais il est moins simple. D'accord? Dans le cas contraire, quand on a dit, donc, quand j'ai terminé à la puissance 3, donc, on a dérivé pour la deuxième fois, donc, on est à, je suis obligé, bêche, pour simplifier les calculs à la dérivée, donc de décomposer ça, on est moins simple. Donc, on est à chaque ça, c'est ça. Donc, A11 égale à la dérivée de la numérateur, ça fait 4π, fois le dénumérateur, donc les fois π, fois π plus 2, au carré, moins, donc ça veut dire que 4π au carré, moins la dérivée de la. Le dénuméraire de la carte, ça fait la dérivée, ça fait pi, ça fait 1, ça fait pi plus 2 au carré, plus la dérivée, il y a 2 fois la dérivée, 1 fois pi plus 2, ça fait 2, pi fois pi plus 2. Donc, il y a Kamel, nous avons pi. 2π au carré plus 1. Le tout sur p fois p plus 2 au carré, le tout au carré. Donc ça c'est pour p égale à moins 1.
Donc A11 égale à quoi? Donc P égale à moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. 2 moins 1, donc ça fait 1. Au carré, ça fait 1. Donc fois 4, ça fait 4. Moins. Donc, P, donc il y a moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Au carré, ça fait 1. Donc il y en a un des 1 fait moins 2. Ça fait moins 2. Moins 2, donc il y en a plus. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc moins 1, 3 fait 3. Moins 1, 3 fait 3, ça fait moins 3. Moins, moins, tu les dis plus 3. Que divise, donc il y en a des moins 1. Donc il y en a fait 1 au carré, ça fait que moins 1 au carré, ça fait 1. Ça fait 7 sur 1, ça fait 7. Donc, pareil pour les conditions B11 et B12. Donc, un des B1, on va dire par exemple N1, qui est pour N, 2 moins N, égale 1 sur 1 factoriel. La dérivée d'entre 1 par rapport à P, terre, P plus 2, le tout au carré, fois F5 de P, pour P égale à moins B. D'accord? N prend les valeurs 0, 1. Donc pour I égale à 0, on a N égale à 0. Donc, B, 1. 2 moins 0, ça fait 2. Ça fait B, 12. Donc aussi c'est B. Donc P plus 2. Bon, 1 sur 0 factoriel, ça fait 1. La dérivée d'ordre 0 sur fonctionnel. Hein. P plus 2 au carré, on va faire F5. On va oublier. 2π au carré plus 1, que divise π fois π plus 1, et tout au carré pour π égale à moins 2. Donc, donc, moins 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Que divise, donc, moins 2, donc, on a dit 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, tu dis 1, 1 plus moins 2, ça fait moins 2. Ça fait moins 9 sur 2. Donc pour n égale à 1, donc b 1, 2 moins 1 ça fait 1, b11 égale, donc la dérivée 1 sur 1 factoriel, ça fait 1, la dérivée de 1, carré. 2π au carré plus 1, que divise π fois π plus 1, tout au carré, tout ça après l'élévation, on remplace π égale à moins 2. Donc, nous sommes chez les donc, maintenant, c'est la première dérivée, donc c'est pour rappel, que ça va se réaliser pour la décomposer, mais bon, ça va. Donc, dérivée A, directement, la tentative, π 11 égale 4π au carré fois π plus 1, au carré moins. Moins P plus 1 au carré plus 2P fois P plus 1. Donc, à l'évaluation de 2P au carré plus 1. Tout ça que divise P fois P plus 1 au carré, le tout au carré. Et on remplace le P égale à moins 2. Donc, B11, donc la nouvelle année. Pour π égale moins 2, donc un des moins 2 plus 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Maintenant, on va faire bon 1. Donc, il y a une moins 2 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Moins. Donc, elle est déjà quand elle dit moins 1 au carré, ça fait 1. Voilà, elle est là, donc elle a dit moins 1 et moins 4. Moins 1 et moins 4, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5, on ne va pas faire 9. 5, on ne va pas faire 9, ça fait 45. Moins 45. Q divise. Donc, on a moins 2. Alors, on va faire moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2. Le tout au carré, tu l'as dit, 4. Donc, 16 moins 45. On va faire moins 29,
qu'on divise 4. Donc on va essayer de compositions à l'eau. Donc on dit donc F5 de P, donc égal à quoi? Donc on dit A1 sur P, d'accord? Donc on dit 1 quart pour 1 sur P, plus A11, donc il y a 7 sur P plus A, plus A12, il y a moins 3. Plus B11 linéaire, donc moins 29 plus 2, plus B12, mais moins 9 sur 2, moins 1 sur P plus 2 au carré. D'accord? On va ici inverser ça. Donc, appliquant la transformée inverse de Laplace, donc F5 de T égale la transformée inverse de F5 de P égale. La transformée inverse de ça, ça fait 1 sur 4, la transformée inverse de 1 sur P, ça fait 1. Donc, on va être plus 7 transformée inverse de 1 sur P plus 1 sans exponentielle moins T, moins 3, donc 1 sur P plus 1 au carré, donc la transformée inverse de 1, il y a 1 sur 1 factoriel, ça fait 1, T exponentielle moins T. Moins 29 sur 4, la transformée inverse de 1 sur P plus 2, c'est exponentielle moins 2T, moins 9 sur 2, 1 sur P plus 2, ça fait au carré, la tension inverse, c'est exponentielle moins T exponentielle moins T. D'accord? Donc, toujours, on va calculer que la tension inverse, c'est 1 sur P plus A lié à exponentielle moins T, donc elle est la même déjà. La tension inverse, c'est 1 sur P plus A, puissance 1 plus A, donc il y a 1 sur 1 factoriel. T à la puissance n exponentielle moins a t. D'accord? Donc, on va vraiment être maintenant. D'accord?